Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Gavinard. On se retrouve aujourd'hui pour la preview de WrestleMania 34, donc qui aura lieu dimanche soir. Donc la carte est, on va dire, complète, même s'il y a un match qui, je pense, sera annoncé lors de WrestleMania. J'en parlerai à la fin de la vidéo, puisque le match n'est pas officiel, mais je suis quasi sûr à 80, à 99% que le match aura lieu. Je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo, donc voilà. Donc en tout cas, on est parti pour cette preview. Les trois matchs du pré-show sont officiellement annoncés. Premier match, donc il y en aura trois hein, de matchs du pré-show. Premier match, c'est la finale du tournoi pour le nouveau champion Cruiserweight entre Cédric Alexander et Mustafa Ali. Donc aucun des nouveaux, que ce soit Mark Andrews, Buddy Murphy, etc., n'ont été en finale. Bon, je pense, je sais pas si, enfin, Mark Andrews est officiellement à Tour 5 Live, Buddy Murphy pas encore, pas officiellement, il est toujours à NXT officiellement, enfin on va dire, ouais voilà, mais techniquement il est à Tour 5 Live. Cédric Alexander contre Mustafa Ali, j'aime beaucoup Tour 5 Live depuis quelques temps, je trouve ça mieux et je trouve ça bien qu'ils aient mis ces deux catcheurs là en finale parce que c'est deux catcheurs qui n'ont jamais été champions et qui le méritent. Donc voilà, je suis très très content de les voir en finale. Je pense que Cédric Alexander va gagner. Je pense qu'il est plus prêt que Mustafa Ali quand même. Mustafa Ali avait aucune notoriété avant de faire les Cruiserweight classiques et de signer avec la WWE. Faut savoir que Mustafa Ali est le seul catcheur du premier tour à avoir signé avec, enfin d'être éliminé au premier tour, d'avoir signé. Je vais reprendre la phrase. Le premier catcheur qui a avoir été éliminé au premier tour à avoir signé avec la WWE, si on ne compte pas Tommaso Ciampa, bien sûr, c'est le Tommaso Ciampa, c'est le seul qui a été éliminé au premier tour qui avait une notoriété avant le Cruiserweight Classic, enfin voilà, une vraie bonne notoriété. Donc Mustafa Ali, voilà, il a su s'imposer de tous ces catcheurs et je trouve ça assez fou. Mais je pense que Cédric Alexander est vraiment prêt maintenant. Pour moi, c'est le meilleur catcher in-ring du côté Tour 5 Live. Je trouve incroyable Cédric Alexander. J'ai toujours été fan. J'adore son theme song d'ailleurs. Excellent. Mais voilà. J'aime beaucoup, beaucoup Cédric Alexander. J'aime beaucoup Tour 5 Live. J'aimerais bien voir Spud, enfin Drake Maverick, en tant que catcher. C'est pas que je le trouve mauvais en GM, mais je pense qu'il apporterait quelque chose. Et trouver un autre GM, ce serait cool. Mais je pense que voir voilà, un mec comme Shane Helms, par exemple, sur un parfait GM, mais. J'aimerais bien voir Rockstar Spud en tant que catcheur du côté de Tour 5 Live, parce que j'adorais. Donc voilà. Donc ma prédiction va vers Cédric Alexander. La Andre the Giant Memorial Battle Royale. Donc là, je ne sais combienième édition. Je ne vous cache pas que je n'ai pas du tout la liste des catcheurs, donc je vais tout de suite aller la voir, je n'y ai pas pensé. Après donc Mojo Rawley, je sais que Mojo Rawley y participe. D'ailleurs, on va en parler de Mojo Rawley qui a gagné cette Andre the Giant Memorial Battle Royale pour rien. Puisque quand tu revois, il a juste heel turn par rapport à l'année dernière. Donc ça n'avait aucun sens. Faire gagner Jinder Mahal, je vous rappelle qu'il a été éliminé en dernier, hein, aurait eu plus de sens. Donc voilà, j'aurais. Voilà, j'accroche plus avec Mojo Rawley depuis qu'il est heel. Hein, mais 10 fois plus. Mais bon, c'est pas non plus fou. Hein, mais j'accroche beaucoup plus, donc voilà. Donc les participants sont Dash Wilder, Scott Dawson, le Revival. Pff, un petit peu dégoûté de les voir dans cette Battle Royale, mais bon. Il y a beaucoup de monde quand même qui aurait mérité mieux, comme Baron Corbin, qui est dans la Battle Royale, ancien gagnant Baron Corbin. Ty Dillinger, Mojo Rawley, donc ancien gagnant également, Matt Hardy, qui aurait mérité bien, bien mieux. Dolph Ziggler, qui aurait pu aussi mériter mieux. Breezango, Goldust, Heath Slater, Rhino, Zack Ryder et Primo Colon. Je sais pas pourquoi il y a que Primo d'ailleurs. Et Primo qu'on a vu à SmackDown depuis. Bah oui, parce qu'Epico est blessé, je suis con. Mais Primo qu'on a vu alors qu'on l'avait pas vu depuis je sais pas combien de temps du côté de SmackDown. Donc, vous voyez qu'il y a très très peu de catcheurs annoncés. En tout, on en est à 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 catcheurs seulement qui sont annoncés, ce n'est rien. Donc. Il y a aussi bien sûr hein, des catcheurs de NXT qui vont participer, ça me paraît logique. Il y a aussi d'autres catcheurs du roster qui ne sont pas utilisés, je pense à Shelton Benjamin et Shane Gable, que je vois pas aller dans ce match-là, mais dans un autre match. Bon, vous savez lequel c'est, mais je vous en parlerai du coup tout à l'heure. Bon, c'est dans le match par équipe des titres, enfin, par équipe de SmackDown. Mais voilà,
On va aller voir, tiens, qui n'a aucun match, hormis John Cena, bien sûr, puisque je vous en parlerai. On va, alors attendez, je vais tout de suite aller voir ça. Je vais faire ça. Alors désolé pour ce petit... Bon, je vais faire pause, vous savez quoi? On va faire pause. Hein. Ok, alors les catcheurs. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire un gagnant qui... Donc un gagnant qui est annoncé pour moi, celui qui serait le mieux pour gagner dans les catcheurs annoncés, et un autre qui... Voilà, serait un catcheur qui n'est pas forcément voilà annoncé. Donc on a Apollo Crews, hein, bien sûr. Apollo donc qui n'est pas annoncé, qui est annoncé nulle part. Donc il sera dans la bataille royale, je pense. Il y a Bo Dallas, Curtis Axel. Bon, c'est pas impossible, mais c'est pas non plus sûr comme ils sont avec le Miz, mais je pense qu'ils participeront. Bray Wyatt, qui est dans une de mes théories pour être le partenaire de Strowman, donc j'en parlerai tout à l'heure, donc je mets pas Bray Wyatt dans cette bataille royale. Voilà, je ne le mets pas. Il y a Kurt Hawkins, qui n'est pas annoncé. Elias, ça ne fait pas non plus partie de ma bataille royale. Il y a, donc Goldust a été annoncé. Pas mal de catcheurs blessés également. Il y a Kane, qui n'a rien. Je pense qu'il peut participer. Karl Anderson et Luke Gallows qui pourraient aller aider Finn Balor également. Nous avons Titus O'Neil donc. Voilà, Titus O'Neil qui devrait également participer. Ensuite, du côté de SmackDown, nous avons Aiden English qui devrait aider Rusev quant à lui, mais participer également. Nous avons donc Chad Gable, Shelton Benjamin, j'en ai parlé. Ah ouais, Pico est toujours bien, est bel et bien blessé. Hein. On a qui d'autre? On a Connor, enfin l'Ascension. On a Mike Kanellis qu'on n'a pas vu depuis je sais pas combien de temps et j'aimerais bien le revoir quoi dans la Battle Royale, c'est c'est même presque sûr on va dire. On a Sin Cara. On a tous ces petits catcheurs et c'est tout. Donc qui pour gagner? Donc dans les catcheurs annoncés, je dirais Dolph Ziggler. Alors je pense que cette Battle Royale ne sera pas regagnée par un mec comme, voilà, comme Baron Corbin ou Mojo Rawley. Je pense pas que un de ces mecs-là va regagner encore. Mais c'est pas impossible pour Baron Corbin. Pas impossible. Après Dolph Ziggler, en fait, le problème de cette Andre the Giant Memorial Battle Royale, c'est qu'il n'y a rien à la clé. Il n'y a rien à la clé. Moi, je pense que le gagnant de cette Battle Royale devrait gagner une chance pour le titre intercontinental ou le titre des États-Unis. Puisque enfin, les trois premières années, donc je crois, ouais, trois, donc Cesaro, Baron Corbin et Big Show, enfin non, deux premières années, du coup, ça a servi. Le Big Show, bon, pas besoin. D'ailleurs, le Big Show n'est pas non plus annoncé, il a dit qu'il prenait pas sa retraite, donc c'est pas impossible de le voir également. C'est pas impossible, mais c'est pas sûr non plus. Bref, le Big Show, bon, allez, c'est voilà pour André le Géant, ces deux profils assez, bon, ok. Mojo Rawley, ça ne lui a servi à rien. Il n'a même pas eu une chance pour le titre. Enfin, si. Pardon, j'ai dit de la merde. Il a eu l'Open Challenge contre Bobby Roode. Ouais, mais bon. Dans le pré-show d'un pay-per-view, bon, bah les couilles, quoi. Donc, et en plus, c'était vraiment là, c'était cette année-là. Enfin, pas 2018, mais fin d'année 2017. Donc, ça n'a servi à rien. Moi, je pense que pour le gagnant, et tout comme pour la Women's Battle Royale, la gagnante de la Women's Battle Royale doit gagner une chance au titre. Donc Raw ou SmackDown, et là pour l'Andre the Giant, bon, pas un titre majeur, mais bon, il n'y a pas de titre mineur féminin, donc pas un titre majeur pour cette Battle Royale, parce qu'un mec comme, voilà, ça n'a aucun sens. Cette Battle Royale a pour moi, le concept de cette Battle Royale, c'est que le mec qui la gagne va être pushé dans l'année. Malheureusement, ça n'a pas été le cas avec Mojo Rawley. Et du coup, ça me gêne. Ça me gêne réellement, et en tout cas, à voir. Mais Dolph Ziggler, je pense que ce sera un parfait gagnant parce que je pense qu'il n'a pas fini sa carrière et qu'il peut avoir encore un run assez cool. Donc moi, je dirais Dolph Ziggler. Dans les catcheurs annoncés. Après, il y a pas mal de catcheurs d'NXT. Voilà, bon. Tous les mecs qui sont à TakeOver, j'y crois pas. J'y crois pas. Qui catch du moins à TakeOver, bon, c'est pas impossible, hein, mais... Après, qui? Qui, moi... Moi, j'ai 2-3 catcheurs en tête. Il catch à TakeOver, hein, ce catcheur que je vais dire, mais c'est pas grave, c'est Roderick Strong. Roderick Strong qui a NXT depuis très très longtemps et que je vois. Est-ce qu'il ira à 205 Live? Enfin, je ne sais pas. Donc je dirais Roderick Strong. Il y a également
Il y a également Cassius Ohno. Même si beaucoup de gens disent qu'il y a pas de plan pour lui dans le main roster, moi je dirais Cassius Ohno. Ou encore Toussaint qui pourrait participer avec une victoire de Killian Dane ou je ne sais quoi. Enfin bref, mais je vais rester rationnel et du coup voilà, je vais partir pour Dolph Ziggler. Voilà. Mais en deuxième, je dirais Cassius Ohno parce que très longtemps qu'il est à NXT et quand je vois que la WWE l'ont pris pour juste faire monter les jeunes, enfin évoluer les jeunes, bon ok. Mais Cassius Ohno quoi, c'est quand même un putain de catcheur, hein. Donc voilà, bon. Bref, voilà en tout cas pour cette Battle Royale. Dernier match de ce pré-show, la Fabulous Moolah Battle Royale Memorial Battle Royale qui est devenue donc la Women's Battle Royale. Donc les participants, donc toutes les women qui n'ont pas de match, comme Sasha Banks, Carmella, Natalia, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Becky Lynch, Naomi Bailey, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville et Mickie James, donc des women du côté de NXT seront rajoutés, c'est officiel, hein, je crois qu'il y a, enfin, il y en a pas mal du moins. Qui pour gagner cette Women's Battle Royale? Franchement, je m'en branle à un point, je trouve que ça n'a aucun intérêt pour le coup de faire une Women's Battle Royale. Donc je vais dire Sasha Banks pour la relancer. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Je dirais Sasha Banks juste pour la relancer parce que c'est Sasha Banks et voilà. Sasha Banks en deuxième choix, je dirais Bayley, mais mon choix va vers Sasha Banks. On passe à la main card. Bon, j'ai fait un ordre un petit peu aléatoire, mais qui a un petit peu de sens quand même. Bon, bref, on s'en fout. Bon, je suis très très hypé pour WrestleMania. Je suis très très hypé pour TakeOver New Orleans. La preview arrive demain de TakeOver. Hein. Je suis très très hypé, notamment par un match. Mais là, pour un WrestleMania, bon, je suis forcément hypé par un, je suis forcément hypé par un WrestleMania, mais là, c'est quand même. Je trouve la carte très cool. Et ce match, The Miz défend son titre intercontinental face à Finn Balor et Seth Rollins. Un match que j'attends énormément. Un match que j'attends énormément parce que, vu ce qu'ont fait Rollins et Baylor du côté de Raw, là, vu les connaissants et le Miz, enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette feud. Le Miz, je pense qu'il est temps qu'il donne son titre intercontinental et j'espère un run pour le titre universel cette année. J'y crois peu, mais je l'espère, je croise les doigts. Donc, ça se jouerait entre Rollins et Baylor. Pour moi, c'est sûr à 99% qu'on aura un nouveau champion intercontinental. Moi, personnellement, je le donnerai à Baylor. Pour lui redonner de la confiance, je le trouve bien mieux là depuis qu'il est avec Karl Anderson et Luke Gallows. Mais c'est tout aussi possible qu'il soit pour Seth Rollins qui a en solo, il n'a pas gagné grand-chose depuis pas mal de temps maintenant quand même. En solo. Donc c'est très compliqué. Donc soit pour relancer Rollins, soit pour relancer Baylor. C'est compliqué, mais je le donnerai à Baylor. Je donnerai à Baylor et allez, je vais dire Baylor. Charlotte défend son titre face à Asuka, la vainqueur du premier Women's Royal Rumble. Alors là, c'est très compliqué. C'est très très compliqué à faire un choix du moins. Je pense que ça va être un très bon match. J'ai vraiment hâte de le voir. Alors, est-ce que Charlotte va battre Asuka pour la première fois? Non. Pour moi, donc déjà, est-ce que Asuka est officiellement à SmackDown? Ou est-ce que c'est si elle gagne qu'elle va à SmackDown? Pas mal de questions. Moi, je mettrais du coup vainqueur Asuka, parce qu'elle peut pas perdre pour son premier Mania. Je la vois pas perdre pour son premier Mania, je trouve ça assez. Voilà, je trouve ça pas cool pour Asuka. Enfin, pour moi, la victoire va vers Charlotte. Vers Asuka, pardon. Et n'oubliez pas Carmella. Alors, je me rappelle, enfin, du moins, je pense, parce que je crois avoir dit une. Je crois penser quelque chose qui est faux, c'est que la Malin Money in the Bank est utilisable jusqu'à WrestleMania. Et je ne crois pas en fait. Excusez-moi si je dis une connerie, mais il me semble qu'avant c'était la règle. Parce que, effectivement, c'était à WrestleMania avant le Money in the Bank, avant le pay-per-view. Donc, du coup, c'était juste un an. Et maintenant, c'est vrai que c'est jusqu'à Money in the Bank. Ça paraît logique. Du coup, Carmella, qui n'a toujours pas cash-in lors de SmackDown de hier soir, je ne la vois pas du tout cash-in lors de WrestleMania. Elle peut pas venir gâcher la fête. Carmella est certainement la pire catcheuse en termes de in-ring, sans compter Lana ou quoi. Même Dana Brooke est mieux, c'est pour vous dire. Bon, Lana, par contre, non, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi, Carmella. Donc, elle peut pas venir gâcher un WrestleMania comme ça, quoi. Donc, je la vois cash-in
et rater son cash-in. Mais ma prédiction va vers Asuka. Wow, The Bar défendent leur titre par équipe face à Braun Strowman et un partenaire mystère. Donc beaucoup, beaucoup de théories sur ce partenaire mystère. Ça va de Rey Mysterio, ça va de Big Show, ça va également sur plus récemment Bray Wyatt, car Braun Strowman a fait un snap, il me semble, assez bizarre, puisqu'il a dit à WrestleMania on sera enfin réunis avec Bray Wyatt. Enfin, il avait une photo et il avait marqué juste ça en texte. Il y a même une théorie sur James Storm qui était dans les coulisses de Raw. Ça va dans tous les sens. Et une théorie sur Elias. C'est la théorie qui me plaît le plus. Voir Elias et Braun Strowman ensemble me ferait tellement kiffer, mec. Putain, Elias, c'est pour moi, c'est le meilleur choix. Il y a une autre théorie pour Elias, carrément, c'est qu'il puisse jouer de la guitare et être interrompu par 5 superstars. Voilà. Une théorie qui a contré Vince McMahon, puisqu'il devait avoir The Rock, et The Rock ne serait apparemment pas là pour WrestleMania. Je trouve pas cette théorie. Enfin, je trouve l'idée cool, mais avec Elias, ça me gêne, parce que Elias, c'est LA révélation depuis quelques temps. Et du coup, pour moi, Elias doit avoir un match. Et le fait qu'il n'ait pas de match me gêne. Et du coup, voilà pourquoi je le mettrai là. Je vais vous dire, alors Big Show, ce serait le deuxième choix le mieux. Parce que voilà, ils sont ces deux Big Men. Mais. Ça veut dire que le Big Show de. Enfin, bref, non, je suis pas fan de ce choix. Après, on a Rey Mysterio, j'y crois très peu. Je vois pas pourquoi mettre Rey Mysterio là-dedans, non. Il y a donc, on a dit James Storm, j'y crois pas. Le faire débuter à WrestleMania comme ça, non, j'y crois pas. C'est pas dans le style de la VE. Et Bray Wyatt. Donc pour moi, les trois gros choix sont Elias, Big Show, Bray Wyatt. J'enlève Big Show. Donc en fait, c'est mon choix numéro 3 parce que j'ai oublié Bray Wyatt. Je pense que ça va jouer entre Bray Wyatt et Elias. Donc là, je vais prédire le match et en plus le partenaire. Donc Bray Wyatt, ce qui me gêne, c'est que on a vu, il y a Matt Hardy qui a été dans la bataille royale. Et il n'y a pas Bray Wyatt. Alors que les deux ont une feud ensemble, ils étaient. Voilà, ces derniers temps, ils étaient beaucoup ensemble avec les feuds, etc. Pourquoi Matt Hardy est annoncé et pas. Donc voilà. Je pense qu'Elias va avoir du coup ce spot avec les légendes, mais sans The Rock, c'est pas grave. Genre un Stone Cold qui vient, bref, bah les couilles. Mais par contre, je pense que le partenaire de Braun Strowman sera Bray Wyatt. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu une rumeur sur un changement de style pour Bray Wyatt, enfin pas de style, de gimmick. Voilà, donc ça va dans la même idée. Donc pour moi, le partenaire de Braun Strowman sera Bray Wyatt, et Braun Strowman et Bray Wyatt gagneront ces titres par équipe. Qui que ce soit le partenaire de Braun Strowman, je pense que Braun Strowman et son partenaire gagneront les titres. Je trouve l'idée pas mal de mettre un petit peu de suspense, comme ça. J'attends vraiment de voir qui c'est, mais j'aurais tellement aimé voir Brock Lesnar, Roman Reigns, Braun Strowman. Putain, ça aurait été tellement mieux qu'un Lesnar Reigns. On en parlera tout à l'heure de Lesnar Reigns, mais ça aurait été 10 fois mieux et Strowman le mérite tellement. Putain, donc ça m'énerve un petit peu, mais bon. C'est-à-dire qu'on va devoir attendre un petit peu plus pour que Strowman, puisque je le vois pas perdre face au bar, avec tout le respect que j'ai pour le bar. Je sais pas, et là il y a beaucoup de hype autour de qui va être son partenaire, donc je le vois pas perdre. Voilà. Randy Orton défend son titre des États-Unis face à Bobby Roode, Jinder Mahal et Rusev. Je vais y aller cash, je vois Randy Orton gagner parce que c'est celui qui a la plus belle carrière des quatre, c'est celui qui a vécu le plus de WrestleMania, c'est voilà. Je vois pas Jinder Mahal gagner, je pense qu'il va se faire huer, on est quand même à WrestleMania. Je vois pas Bobby Roode gagner, reprendre le titre directement, ça fait trop court. Et Rusev, ce serait le deuxième choix entre guillemets, mais je vois quand même Randy Orton conserver parce que Rusev. Il a été rajouté dans ce match juste pour les ventes qu'il fait. Il s'est rajouté il y a très peu de temps à la storyline, donc c'est ça qui me gêne aussi. Donc ma prédiction va vers Randy Orton, je vais pas faire Milan sur ce match. Les Usos défendent leur titre par équipe face aux Bloodgun Brothers et au New Day. J'aimerais dire quelque chose. Il y a une rumeur qui dit que ce match pourrait être un TLC match. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Gable et Benjamin arrivent. Et disent oui, machin, truc, ok. Et ils disent on se rajoute dans le match et c'est un TLC match.
Là, mon gars, ce serait génial. Ce serait putain de génial. Après, qui pour gagner ces titres? Moi, je pense que c'est le moment pour les Blood Gun Brothers. Avant que la gimmick, etc., soit. Enfin, on a compris maintenant qu'ils détruisent tout le monde, etc., des jobbers et tout. Maintenant, ils doivent gagner les titres, je pense. Donc, ma prédiction va vers les Blood Gun Brothers. Pour qu'ensuite. Parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes face que heel. Du côté de SmackDown. Avec les Usos, avec du moins bien utilisé, parce que bon, ils veulent pas bien utiliser l'ascension, ils veulent. Ouais, ils font heel turn Gable et Benjamin, c'est ridicule, les mecs sont pourris en heel, mais jamais vu ça. Du coup, ils veulent pas faire. Ils veulent pas push l'ascension, bon, ça m'énerve, mais c'est pas grave. Victoire des Blood Gun Brothers, avec les Usos derrière aussi, mais allez, Blood Gun Brothers. Ah. Daniel Bryan et Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc avec une stipulation entre guillemets qui me je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Si Kevin Owens et Sami Zayn gagnent, ils reviennent du côté de SmackDown Live. Ils sont réengagés puisque je vous rappelle que storylinement, ils sont virés. Donc là, je sais pas en fait, parce que Daniel Bryan, c'est son retour dans les rings et c'est impossible qu'il perde, du moins qu'il se fasse pin. C'est pas possible, le mec c'est une légende. Donc, en fait, je sais pas quoi. Je trouve que là, par contre, la WWE a été très intelligente. En mettant cette stipulation, ça nous fait dire que non, c'est pas sûr que Bryan et McMahon vont gagner, parce qu'il y a Owens et Zayn qui peuvent se faire virer, je vous rappelle, dans la storyline. Donc, je trouve ça très intelligent de la part de la VE. Et je pense que la VE veut pousser encore plus le truc et que du coup Daniel Bryan et Shane McMahon vont gagner. Je pense que la VE veut vraiment pousser le truc de Owens et Zayn qui sont vraiment les deux mecs un peu comme R-Truth et le Miz à l'époque. Que je trouvais ça hyper réussi. Et là pour l'instant Owens et Zayn je trouve ça très réussi également. Et donc je pense qu'ils veulent pousser le truc. Et je trouve que pour l'instant ils le font bien en rajoutant également cette stipulation. Pour moi victoire de Bryan et McMahon. En tout cas il y a beaucoup de choses qu'on attend beaucoup dans WrestleMania, le partenariat de Strowman. Bien sûr, Daniel Bryan, et également Ronda Rousey qui va catcher pour la première fois. On en parlera tout à l'heure. Alexa Bliss défend son titre Raw Women's contre Nia Jax. Le match que je. J'ai zéro hype, j'ai zéro hype. Victoire de Nia Jax, pourquoi? Parce que elle est là depuis maintenant pas mal de temps sans rien gagner. La meuf, c'est une monstre, elle a rien gagné. Sa gimmick, c'est ça quoi. I am a monster, comme son theme song le dit, pardon. Donc je trouve que voilà, ça n'a aucun sens de ne pas lui faire gagner. Donc là. Nia Jax doit gagner ce match. Voilà, parce qu'Alexa Bliss est championne depuis très très longtemps et voilà. Elle fait une très bonne championne, mais au bout d'un moment, stop quand même. Donc, victoire de Nia Jax sur ce match. Mais alors là, mais je trouve que ça fait tache sur la carte, réellement. Là, rien à branler, je pense, en termes enfin, de in-ring, ça va être une catastrophe. Voilà, donc moi, allez, bah les couilles. Ronda Rousey, Kurt Angle contre Stephanie McMahon et Triple H. Waouh, gros gros match. En tout cas, ça va être très sympa de voir ça. Ronda Rousey et Kurt Angle vont bien sûr gagner. Je vous rappelle que c'est quand même le premier match de Ronda dans un ring de la WWE, donc ils vont gagner. Mais j'attends vraiment ce match de voir Triple H, de voir Kurt Angle, de voir Ronda Rousey surtout, de voir Ronda Rousey, même de voir Stephanie McMahon. J'ai hâte de voir ces quatre catcheurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans un ring? Kurt Angle, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Triple H, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Stephanie McMahon aussi, surtout. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, Stephanie McMahon. Et Ronda Rousey également. Donc là, c'est vraiment le questionnement sur ce match. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans un ring? En tout cas, Ronda Rousey et Kurt Angle, vainqueurs, j'en suis. Bon, on est tous sûrs. AJ Styles défend son titre de la WWE face à Shinsuke Nakamura. Pourvu que ce soit le main event, même s'il y a zéro chance. Je trouve la feud très mal construite du côté de SmackDown, mais c'est quel dommage. Mais bon, si la feud est mal construite et que le match fait un 5. Y a aucun souci. Je pense que c'est le moment pour Nakamura. Tout simplement, Nakamura a eu des débuts difficiles dans le main roster et là il s'est repris depuis quelques temps. Et je pense que si on fait un petit 5-star et qu'en plus on lui fait gagner le titre, je pense que ça va faire fermer la bouche de pas mal de gens, comme ce qu'a fait CR7 hier soir face à la Juve. La retournée qu'il a mis, frère, il y a tout le monde qui critiquait. Ouais, CR7 il est sur la fin. Frère, il te met 14 buts en 9 matchs, ta gueule. Donc là, Nakamura, ça va être pareil. Non, mais en vrai, vraiment, et je pense que ce serait super que Nakamura gagne. Et qu'en plus, ce sera un 5-star, ce serait génial. Donc, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce match. Bien plus que ce putain de main event.
Brock Lesnar contre Roman Reigns pour la deuxième fois après WrestleMania 31. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Brock Lesnar, le catcheur que j'aime le moins au monde. Non mais en vrai, c'est pas possible. Ça fait un an, les gars. Ça fait 367 jours au jour d'aujourd'hui. 367 jours que ce mec est champion. Il a catché quoi? 10 fois? 10 fois en un an? C'est quoi ce foutage de gueule? Alors, tu perds ton titre face à Reigns, et là, mais je serai jamais autant content que Reigns gagne un putain de titre. Bordel. Oui, Roman, je t'aime. Roman, merci. Non, peut-être pas à ce point-là, j'aime bien Roman Reigns, mais pas à ce point-là, quoi. Voilà, si ça pouvait être Strowman à côté, ce serait mieux, quoi. Que Reigns. Bon, je déteste pas Reigns, mais. Alors, Lesnar, ce qu'on va faire, si tu perds ton titre, et tu te barres à l'UFC, on fait ça? Allez, on fait ça. Et maintenant, tu nous gâcheras plus nos main events de WrestleMania. Et de pay-per-view également. Allez, à plus. J'ai failli oublier d'en parler. John Cena contre l'Undertaker. Donc, Thibaut du Gambas Club dit qu'il n'y aura pas ce match. Alors, et donc ce match, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Cena, il fait 3 semaines, 1 mois de promo sur Taker. C'est. Enfin, moi, je comprends pas. En plus, ça ferait. Comme je l'ai dit, si Taker part. Si Taker ne revient jamais et que c'était la dernière fois à WrestleMania 33, déjà ça aurait été le pire match de sa carrière. En main event, il sera fait humilier par Roman Reigns. Et de deux, il sera fait passer pour un lâche en ne répondant jamais au défi de Cena. Bien sûr que si. Donc ce qui va se passer, et en plus, troisièmement, c'est que Cena, c'est obligé qu'il ait un match à WrestleMania. C'est obligé. C'est John Cena, c'est. Voilà, c'est John Cena, quoi. Voilà. Donc ce que je pense qu'à WrestleMania, Cena va refaire une promo et Taker va venir, bim, match. C'est sûr à, pour moi, à 99%. Je dis jamais à 100%, mais là, c'est pas loin quand même. Donc voilà, je voulais juste le dire parce que c'est un petit match. Qui gagnerait ce match? Je pense que John Cena gagnerait ce match. Et que Taker partirait enfin à la retraite. Ce qui doit être fait depuis 4 ans, malheureusement. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette preview de WrestleMania qui a été longue, hein, parce que j'avais beaucoup de choses à dire et puis parce qu'il y avait beaucoup de matchs également. Donc en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous dis dès demain pour Takeover New Orleans, la preview. Et après, les gars, c'est notre week-end. On va kiffer notre tête. NXT Takeover New Orleans. On a même du petit ROH Super Guard of Honor. On a également, bien sûr, Wrestle Fucking Mania, Takeover New Orleans. On a tout là. Ce week-end, c'est notre week-end, les gars. Fans de catch, c'est notre putain de week-end. Donc, je vous demande de kiffer ce week-end. Voilà, on doit kiffer tous ensemble. On est des putains de fans de catch. On aime ce sport. Donc, on va kiffer notre tête. En tout cas, merci. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde. Je vais faire 28 minutes parce que c'est propre.